ce premier entraînement déjà à l'équipe nationale du Sénégal? Ah, ça va, nous n'avons rien parce que moi, il y a des gars qui aiment moi et que voilà, je me sens bien. Donc, ça va quoi. Nous allons accueillir dans l'ambiance, dans les conseils. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Nous allons le mettre un peu dans le bain. Ah, ça va parce qu'il y a des grands joueurs ici et que pour nous, gars dans l'alignement, voilà. Tout est bon ici, tout le monde est gentil aussi, donc ça va venir à la tournée du fait. Donc il faut pas le faire. Ça arrivé qui sélection du Mugautro par rapport à que début de saison bi nga def début de saison explosif en 2-3 matchs pratiquement tout le monde du football découvrir le ñi la xamul won ci fi ci Sénégal lan mo déterminant un peu ci ce début de saison bi nga nek di def ni wa c'est vrai lool mo tax ma yok ñom fi ba cause de certain match et que son performance mo tax ma ñom fi donc voilà pour man nek la xamné lu ko bet lo le qui quoi donc travail mon temps de saisir Bamba lan moy sa ambition pour l'équipe nationale lan moy fanga bëgg ag ak équipe nationale ba fu ñëpp bëgg yag rek moy jël coupe d'Afrique dem tam du monde le plus possible. Bon, bah, tout le monde vous qualifie de nouvelle pépite, mais vous avez l'air de garder vraiment la tête sur les épaules, vous êtes quelqu'un de humble, c'est ça votre style? Ouais, c'est normal. Parce que le football, c'est, ça va vite et que. Voilà. Donc, c'est normal que je sois comme ça et que. Voilà. Comment vous décririez justement votre style, votre personnalité? Vous êtes quelqu'un de discret, quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien encore? Ouais, je suis quelqu'un de trop réservé et que je suis gentil aussi avec tout le monde. Donc voilà, même sur le terrain et en dehors du terrain aussi, je reste moi-même. Et votre ambition avec l'équipe nationale, où voulez-vous aller jusqu'à là? Sur quel aspect de votre jeu pensez-vous vouloir pouvoir vous améliorer pour mieux continuer cette saison? Bah, c'est aspect mentalement, physiquement, techniquement, donc tout n'est pas acquis là. Donc rien ligué pour garder un peu ça et que voilà quoi. Il y a une espèce de titularisation comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a une espèce de titularisation? Bah, je ne sais pas encore. Là, c'est tout ce qui décide. Si je veux jouer, je vais jouer moi. Ok, merci. Maintenant, qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer?